Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Mais bon, je suis quand même un petit peu très agacé par ce qui vient de se passer. Hier soir, nous avons tous attendu ce combat arriver. Le combat de l'année entre deux titans. L'un qui est le champion du monde de la boxe, qui a réussi à fracasser des cogneurs de malades. De l'autre côté, un combattant de MMA qui a une force de malade et qui tape les gens pour vivre. Et là, on a vu que le gars se bagarre depuis longtemps. Depuis qu'il n'existe pas, le mec est déjà en train de se battre. Il est arrivé en tant que nourrisson. Il s'est battu. Il a grandi. Il s'est battu. Francis Ngannou, je le dis haut et fort, vient de fracasser, fessé, torgnolé, brisé Tyson Fury. Non, Tyson Fury est arrivé beaucoup trop confiant. Il est arrivé. Il s'est mangé une gauche. Il a commencé à vouloir aller s'allonger. On lui a dit, mais Tyson, le combat n'est pas terminé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'allonger. Il a dit, non, mais voilà, ouais. Voilà, regardez comment il boxe, c'est pas normal. Regardez le coup de poing qu'il m'a mis. Non, il frappe vraiment très très fort. C'est pas ça qu'on t'a dit. Là, on avait un combattant qui n'était pas dans son registre et il t'a quand même fracassé. Il t'a bousillé. Hier soir, nous avons assisté à un vol organisé, sponsorisé, filmé. Un braquage sponsorisé, filmé. Organisé. Tu te rends compte? Nous, on pensait que la boxe était un sport qu'on appelle le noble art. Mais c'est des roublards. C'est pas le noble art. C'est des roublards. Mais bien sûr, comment tu peux m'expliquer que Francis Ngannou perd ce match? Hein? On sait ce qui s'est passé. On sait tous. Tyson Fury s'est fait monter en l'air bien comme il faut. Mais bon, vu qu'il faut garder une certaine éthique, une certaine image pour le monde de la boxe, on ne peut pas le laisser perdre contre quelqu'un qui n'a jamais combattu en boxe. Hein? On t'a dit c'est un Camerounais. Les Camerounais, les bagarres et la bagarre là, ça fait un. Le gars en interview est venu dire, je tape les gens pour vivre. Si ça, ce n'est pas de la folie bagarreuse, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, là, on parle de Cameroun et de bagarre, mais à croire ce qui se passe dans le monde sportif, hein, les Camerounais, ils sont bons dans tout. Ils sont bons dans tout. Alors moi, je tiens à dire que je vais commencer à faire des recherches ADN, parce qu'il se peut que moi aussi, j'ai un petit peu de sang camerounais. Hein? Peut-être que moi aussi, je fais partie du continent. Parce que moi aussi, je suis quand même talentueux. Hein. Non, mais là, vous vous rendez compte? Les mecs, ils arrivent dans un sport, ils fracassent tout. On a l'autre dans le football, on a l'autre qui est dans le MMA, on en a un autre qui est dans le MMA, il y en a les autres qui sont des humoristes, il y en a qui sont dans les films, il y en a qui sont partout, il y en a qui sont dans la cuisine. On ne sait même plus où donner de la tête avec ces Camerounais. Oh là là. En tout cas, force à vous. Hein? Donc le continent continue de grandir et le continent sait qu'il a remporté le match hier. Personne ne peut dire, non mais voilà, Tyson Fury, il a touché un peu plus quand même. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé qui a remporté le match. Là, on a un gars qui n'a jamais boxé contre un mec qui boxe tous les jours. Il est là, il boxe, il boxe. Carrément, lui-même, il se frappe comme ça. Il frappe lui-même comme ça. Il frappe lui-même. Et puis il arrive contre Francis Ngannou. Francis Ngannou arrive comme ça. Le gars, il est là. Il se mange une lune, il tombe. Et il le regarde comme ça. Ah bon, mais c'est pas ce qu'on avait dit dans le contrat. Qu'est-ce que tu fais? Tu me frappes sérieusement là? Oh! Toute façon, allez, de toute façon, c'est moi qui ai gagné. Ouais, non, non, tu frappes trop fort, toi. Reste là-bas. C'était ça le match. C'était ça! En tout cas, on peut le dire, Francis Ngannou fait partie des meilleurs combattants du monde entier.
Voilà. Donc, tu as gagné ce match. Nous savons, même si c'est marqué que tu as perdu, on sait que tu as été volé comme jamais. Ouais, c'était un vol organisé. Tu vois? Tu vois la chanson des Marseillais, là, en bande organisée. Mais là, il faut sortir un son en vol organisé. En vol organisé, tout le monde était content.